Alors aujourd'hui, nous sommes à Praillon, dans le Val Ferret. Nous allons partir de Ferret jusqu'à l'alpage de la Chaux. Ensuite, nous allons grimper jusqu'au lac Fenêtre. On aura fait 600 mètres de dénivelé et on va redescendre par le même chemin. Ce fera un parcours de 12 à 15 km. Le trail, c'est la diversité des paysages, surtout. C'est la beauté des paysages que l'on rencontre. Et puis, c'est les dénivelés, évidemment. Les différences de nature du terrain. Parfois, c'est rocailleux, c'est herbeux. Ça peut être très glissant, on peut être dans la neige. Alors, le plus indispensable, je pense, ce sont des chaussures bien adaptées au trail. C'est-à-dire, elles ont un plus gros profil que des chaussures pour courir sur route. Ensuite, ce sont des bâtons télescopiques, mais ça, c'est individuel à chaque personne. Le téléphone portable est important. Et puis, prendre toujours des gels ou des barres de céréales et suffisamment à boire. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de risque, pas plus qu'une marche en montagne. Le seul risque, c'est surtout dans les descentes, de trébucher, de se faire une entorse, par exemple. Ça m'est arrivé. Ce marathon du Verbier-Saint-Bernard, la dernière montée, j'étais prise d'une crampe et vraiment c'était fort, je ne pouvais plus avancer. Et tout de suite, deux coureurs se sont arrêtés pour me tendre la jambe et j'ai trouvé ça extraordinaire, quoi.